Bienvenue dans un nouveau vlog. Qu'est-ce qu'il y a, puce? Regardez, j'ai mis un petit short de cet été, j'ai mis des petits collants. Elle est trop mignonne. Et c'est elle qui a décidé de mettre les barrettes pour retourner la tête, vous savez pas voir. Il est 11h30, on est tous prêts. Je vais lancer le gâteau d'anniversaire d'Amaury pour ce soir. Comme ça, je le mets au four à cuire et puis j'aurai l'après-midi pour pouvoir le faire en pâte à sucre. Oui. Non, ça on prend pas. Ce sera pour ce soir. Il n'y a pas de place dans le frigo. Donc voilà. C'est bon? Bon. Ce midi, c'est gnocchi jambon. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, c'est des légumes avec du jambon de... du blanc de poulet. C'est bon, Moto? Oui. Oui. Ce chef, c'est le chef que Maxence a fait avec sa marraine. Enfin, c'est pas celui-là qu'il a fait, mais c'est ce qu'il a fait comme activité chez sa marraine pendant les vacances. Et ils nous ont acheté du chèvre de la ferme où ils étaient. Et bah, il est trop bon. C'est trop bon, mon bonhomme. T'as bien aimé, toi? Oui. C'est du chef que t'as bien aimé? Les deux? Bah oui, on en a fait deux. Ah oui, d'accord. Bah nous on goûte celui-là et franchement il est trop bon. Ouais. Le fromage de chef qu'on vient de manger là, il vient de la ferme du Cabriolet. Donc là vous avez l'adresse et même le numéro de téléphone si ça vous intéresse. Il y a même un site internet. Il est vraiment très très bon. Je vous conseille de, pour ceux qui sont de cette région là qui me regardent, d'aller voir pour en acheter. Les pâtes à crêpes pour ce soir sont prêtes. Alors on a l'impression qu'il y en a plus ici que là, mais... le bol est un tout petit peu plus petit, mais j'ai fait exactement la même quantité. Mais qu'on aura deux tables complètes de gens avec deux appareils, il y aura chacun son saladier. J'ai commencé à faire le gâteau, donc ça c'est la première partie du gâteau. Je vais en faire un deuxième. Donc j'ai utilisé ce moule là et je m'embête pas parce que j'ai pas le temps. Je fais ça comme gâteau, c'est un moelleux au chocolat avec des pépites. J'ai juste à verser et à cuire, ça me fait un gain de temps phénoménal. Alors par contre, pour en faire deux, là je viens de faire ça pour celui-là. Là, il y a deux préparations. Ils disent 20 minutes pour une, il faut bien 45 pour faire les deux pour qu'ils soient bien cuits. C'est parti, on continue. Moi, JB va profiter qu'il y a Julien pour pouvoir emmener le fameux lave-vaisselle qui ne marche plus à la déchette. Des cartons aussi, ça va partir avec. Ah, t'as réussi à l'enlever? On regarde ce qu'on peut récupérer et garder pour nous. Bon, on remonte notre ancienne table pour faire la grande allée de table, comme je vous parlais tout à l'heure. Papa et maman, vous avez vu, on s'en resserre. Et on va remettre les bancs aussi. Et normalement, ça devrait être bon niveau place. Il n'y a plus de batterie. Comme toujours. Ici, préparation pour ce soir. Je prépare le gâteau, je vous montre pas trop. Mais voilà l'atelier. Là-bas, ici, je vais bientôt mettre tous nos petits trucs. On garde la même déco que l'anniversaire des copains. Voilà, j'ai fini de faire ma table. Donc, on a mis des petits marque-places pour tout le monde. Donc, voilà, avec les deux... table, l'une à côté de l'autre. Voilà, on a tout ça. Et là, tous les enfants, ils mangent là. Et la puce, on la laisse manger ici. La déco, là-bas, il y a le gâteau. Je vais aller vous montrer. Puis après, il y aura les gâteaux apéro, en fait, tout le long, là-bas. On va prendre l'apéro de ce côté-là. Et là, pour manger, ça fait une sacrée tablée, hein, quand même. Voilà le gâteau d'anniversaire d'Amaury. Il est trop beau. On mettra les bougies au moment de souffler. Donc j'ai fait des petites formes de dinosaures que j'ai collées partout. Et on a mis un vrai jouet de dinosaure dessus. Franchement, il est trop beau. Je suis trop fière. Là, comme je disais, les petits gâteaux apéro qui vont pas tarder à arriver. Sinon, c'est la même déco que l'anniversaire des avec les copains. La petite puce, tu trouves ça trop beau? Oui. Alors elle chante joyeux anniversaire tout le temps. Elle a très bien compris. Oui. Je suis prête, habillée tout simplement, mais à l'aise pour la soirée. Puis le haut, ça fait quand même un peu habillé, j'aime bien, c'est trop joli. J'adore ce haut, c'est camailleux. Nous, on est prêts, j'y vais après sa douche aussi.
Les enfants, ils jouent calmement dans le salon. C'est bien. Eux aussi, ils sont très beaux. Vous montrez comment vous êtes beaux. Regardez. Waouh, beau gosse, Maxence. Et Amaury, l'homme de la soirée. Beau gosse. Beau gosse. Ils ont sorti les chemises. Bon, les chemises à manches courtes, mais il fait très chaud et on aura beaucoup de monde toute la soirée dans la maison. Donc, il va faire très chaud aussi avec ça. Oui, puce. Chaud. Tu veux montrer comment tu es belle? Oh, la puce, elle est belle. Oui, ils sont tout mouillés, mes cheveux. Ils vont sécher dans la soirée, t'inquiète pas. Les pattes sont super bien reposées. Ça va être nickel pour ce soir. Là, il est 18h30. Tout le monde arrive vers 19h. Donc, on a encore le temps d'être tranquille. Et bien, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, la puce? Non. Bon, bah, va faire la que je rattache les cheveux. Et je vous ai montré le gâteau. Il est magnifique. Sur les bougies. Oui, parce que t'as mis le menton. Sur les bougies. Oui. Ouais, super. Comme d'hab, je reprends le lendemain matin. Je suis naze, mais de naze. On s'est couché super tard et on était se coucher dès que nos amis sont partis. Mais il était 2h du mat, un peu plus. Puis on a discuté avec Julie et Julien. Et on a dû se coucher vers 3h. Il est midi, on vient seulement de se lever. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus pour cette journée anniversaire avec Amaury. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.